my first impression when I saw Vishini's work was something that was super minimal, super architectural, very graphic, but also very tactile. I could really see the human hand and see the imperfections as well as the perfections in the work. For Marimekko, for the pre-fall 22 collections, we're working with this theme of human imperfections, human interactions, this idea of being in dialogue. And I really felt when I saw Vishini's work that the work is in dialogue. So it really connected with the theme, and it really connected with, for me personally. So obviously when I discovered Vishini's work, I didn't know her. So I actually just wrote a message on Instagram. I literally reached out and said, hey, my name is Rebecca. I would love to collaborate. So very much a cold call. J'ai été fascinée en fait par le fait que ce soit une marque comme Marimekko qui me contacte pour collaborer. Elle m'a immédiatement proposé de fondre en fait mon univers avec le sien, et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'immédiatement j'ai regardé des vidéos sur Marimekko et j'ai vu notamment des mannequins un peu à l'image de Mondrian et avec, dans les années 60. En fait, au départ, moi j'avais compris d'utiliser mes impressions d'art en fait pour des mugs ou pour des coussins. D'accord. Ce que je ne trouvais pas moi approprié par rapport à mon travail et mon évolution. Et en fait, quand elle m'a parlé, Rebecca, de collaborer pour des robes, en fait, j'ai immédiatement pensé à Saint Laurent. Et je me suis dit, c'est complètement fou, c'est magique. Et moi-même, quand j'étais jeune, je voulais être soit archéologue, soit styliste de mode. Okay. Donc c'est vrai que ça m'a tout de suite parlé. Et je trouve que la mode et les créateurs, donc, et les artistes ont toujours une histoire comme ça d'expression artistique. Et de créer, en fait, à la fin, une œuvre à deux, finalement, c'est très puissant pour moi. C'est un outil très important. La mode, en fait, c'est un langage universel et qui permet de révéler son identité. Et quand mon travail peut être un outil pour ça, je trouve que c'est très intéressant. In order for me to share with Vishini the thoughts for how we could collaborate together, I sort of needed to convey who we are or how we work at Marimekko. And of course, I think my initial sharing was that at Marimekko, the dress has always been a canvas for artwork. En fait, donc tout a commencé via Instagram. Et ensuite, j'ai envoyé beaucoup de visuels. J'ai envoyé mon site internet. Je lui ai notamment montré des vidéos que j'ai réalisées en Finlande. Par exemple, une série qui s'appelle Support Vivant. C'est une série de performances. En fait, je passe par la danse pour trouver des formes, en fait. C'est une sorte de chorégraphie du vivant. En fait, j'utilise le sable et la puissance de la mer aussi. J'aime beaucoup cet écho-là. En fait, quand je danse en improvisation, le mouvement vient tout seul et directement connecté, terre, ciel. Et c'est cette harmonie-là que je cherche vraiment, d'être dans la nature, de faire corps avec la nature et ensuite de collaborer avec elle. At Marimekko, the dress is always a canvas for art, and that is how we normally approach our collections and our collaborations. But in this very specific instance, we actually, because the artworks themselves, because Vishini's work has so much shape or so much body to the work, we decided to instead construct the dresses around the artwork. We started with the artwork and created the dresses around. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette collaboration, c'est déjà le côté humain. J'aime cette marque en fait, j'aime vraiment la collection de Marimekko. Et ensuite, quand j'ai vu la forme sur la robe, j'avais l'impression que c'était comme des formes vivantes, comme des sculptures vivantes. Et quand le mannequin tout à l'heure l'avait sur elle et bougeait avec, on avait l'impression que la forme bougeait et devenait sculpture, redevenait vivante, parce qu'à la base en fait elle est vivante. Je m'inspire de la nature, donc forcément elle retourne, en fait c'est comme cyclique, elle retourne à sa forme originelle, et c'est magique parce qu'en fait c'est très réussi. Plutôt que d'être, ce n'est pas pour moi un imprimé en fait, c'est donner une nouvelle vie à ma création,